Bonjour, l'imprimante 3D s'avère un outil pédagogique redoutable. Voici un exemple. Dans le cadre du programme de 5e en technologie, nous avons essayé de réfléchir avec les élèves comment nous pouvions structurer et agencer notre espace d'habitation, en l'occurrence ici, un appartement. Ici, les élèves par groupe de deux se placent en tant qu'architectes d'intérieur. Alors, dans un premier temps, nous avons réfléchi à la distribution des espaces. Dans un second temps, en respectant les contraintes d'échelle notamment, on travaille à l'aide de Google SketchUp à la conception des meubles et autres structures d'aménagement de notre espace d'habitation. Et enfin, il est très facile d'enregistrer le fichier réalisé par l'élève au format STL, format lu par le logiciel qui pilote l'imprimante 3D. Les élèves, après impression, vont pouvoir directement et concrètement travailler et retravailler leur prototype et réaliser ainsi l'agencement sur la maquette de leur unité d'habitation. En général, il faut compter entre 3 quarts d'heure et 1 heure d'impression.